et bienvenue à ma maison, ou mon appartement, ou comme je préfère dire simplement chez moi. Nous allons jeter un coup d'œil aujourd'hui. Allons-y. J'habite dans le campus ouest parce que j'aime l'emplacement et je suis très près de tous les services dans l'université. J'ai aussi l'opportunité pour l'indépendance avant l'obtention du diplôme. Mon séjour. En réalité, je passe presque tout mon temps ici parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et aussi, j'aime bien les vues depuis les fenêtres aussi. C'est possible pour une personne un petit peu de café et regarder les montagnes pendant le matin. Sur le thème des montagnes, j'ai mes skis aussi. J'ai des skis alpins, comme ici. Et j'ai des skis pour une randonnée dans la vie épais. Pour la vie épais, c'est essentiel d'utiliser l'équipement nécessaire pour la sécurité, comme une bélisse, une sonde, une pelle, et bien sûr, un casque aussi. Le pas très important de chez moi est que je ne suis pas de solitaire habitant. Il y a des plantes aussi dans chez moi, comme un petit arbre s'appelle une bonsaï. Pour moi et mon collecteur, le bonsaï est une représentation de la vie. Si notre arbre est en bon solaire, nous allons bien aussi. Alors, comme tu déjà sais, je dois laisser certaines choses à votre imagination. Et par conséquent, c'est le temps pour vous de partir. Donc, ciao! Ah, salut mes amis, bienvenue dans ma chambre à South Hall à le Colorado College. Vivre dans le dortier pendant 12 ans et il est la norme culturelle pour ce campus et en général la plupart des universités aux États-Unis. C'est le plus tôt agréable d'en vivre ici. Oh. D'accord, c'est ma chambre. Comme vous pouvez voir, j'ai clairement la chambre la plus cool. J'ai la meilleure vue sur la campus et vous pouvez voir grand les montagnes sont dans mon chambre. Maintenant, comme tu vois, j'ai une canapé en cœur marron. Je peux regarder des films et des TV dans le confort. Ah, j'ai aussi mon bureau qui surplombe le campus pendant que je fais mes devoirs. J'ai même un mixeur pour pouvoir faire des smoothies avant d'aller en cours ou en pratique. J'ai aussi mon skis ici parce que ce campus est un endroit idéal pour pouvoir conduire jusqu'aux montagnes. Si est la ville ici, Colorado College pour moi, à voir plus tard. Bienvenue chez moi. Je m'appelle Elsa, j'ai 19 ans. Je viens de Paris et c'est mon première année à l'université à Colorado College. Donc j'habite à Loomis Hall avec mon camarade de chambre. Elle n'est pas ici aujourd'hui, mais ça marche. Voici ma chambre. J'ai mon petit bureau et salon peut-être. Je fais mes devoirs ici. Je regarde la télévision, peut-être détendre, je ne sais pas, vous savez. Ici est mon lit, je dors ici, je fais mes devoirs ici aussi. C'est mon lit, tu sais. Ici, j'ai mes deux enfants, c'est Philippe et Gertrude. Et mon machine de café, c'est très important. Et sur là, j'ai mes livres. Oui, c'est très joli.
J'aime lire beaucoup. Je n'aime pas vraiment mon vieux. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voitures. Comme j'ai déjà dit, je viens de Paris et pour une étudiante française, la vie en Colorado College est très différente. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour découvrir la culture française. Nous avons une maison de langue française où on peut vivre peut-être, où il y a beaucoup d'événements français pour pratiquer ton français peut-être. Mais la vie est la même chose ici comme là-bas. Je suis occupée là-bas, je suis occupée ici. Je marche à mon classe chaque jour. Et je peux prendre un croissant au Café Colorado. Au Colorado College, mais j'adore Paris et la vie de Paris. C'est tout. Merci beaucoup, mais c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure. Viens ici. Oh, bonjour mes amis, bienvenue à ma chambre. Je vis dans un cube forcé, c'est un peu petit, mais deux autres combats de chambre est super chouette. Celui est de Scarlett. Scarlett est super chouette. Elle est une plus jeune fille qui grimpait le nez dans Yosemite. Mon camarade de chambre s'appelle Sarah. Elle est très géniale, elle est très dure aussi. Elle est une très bien danseuse. Ah oui. Les autres choses dans mon chambre est le deux commodes pour trois personnes, je ne sais pas. Ouais. C'est un dommage, mais c'est bon. Et c'est mon lit. Ces coupe-points sont faits par sa grand-mère. Elles sont tellement talentueuses. Ma grand-mère vivait dans le nord de l'État de New York. Elle m'a appris à coucher dans sa grange aussi. Mais maintenant, elle vit à Denver à 5 minutes de nous, ce qui est tellement agréable. Elle est une bonne femme. Très bonne femme. De mon lit, c'est les photos de mes amis et ma famille. C'est mon amie Lina et mon cousin Andrew. C'est une bonne personne aussi. Mais mon chambre est un peu différente des de autres parce que j'ai les fenêtres et mon ami a les murs pour les photos. Voici, je garde mon œil de fée ici. C'est très important pour moi. Aussi, mon appareil de photo. J'adore le film. Mon bureau, j'ai fait mes devoirs. Peut-être. Je lis aussi à mon bureau. Maintenant, je lis un livre très bien. Il s'appelle There There. C'est une histoire sur plusieurs générations. J'ai également repris ce mur pour mettre mon petite pièce d'art et aussi mes photos, beaucoup de mes photos et les autres paysages. Les paysages de les autres pays, aussi dans les montagnes. Ici, ces photos et Moab, c'est Rocky Mountain National Park, mon père qui pêchait en fleuve. Aussi, mon ami et moi dans Pérou avec les alpacas. C'est un très amusant voyage. Aussi, dans le mur, il y a mon pièce de femme. C'est très important pour moi. Au-dessus de la porte sont mes drapeaux de la paille et mes affiches féministes. Le jeu de la pièce est ce même droit, Julien, parce que j'adore Julien. Il est très, très fort et amusant. Je suis en Colorado pour 12 ans et j'adore l'État. Elle est très belle, aussi beaucoup d'activités.
dans Colorado. Par exemple, faire du ski, faire d'escalade. J'adore faire de l'escalade. Aussi, les autres, faire le randonnée, pêcher dans le fleuve. C'est très amusant. Colorado est parfait pour les personnes qui adorent aventure. Oh, j'oublie, mon affaire de ma kombucha. Il s'appelle Two Tails Brewing. C'est très délicieux. Tu achètes kombucha maintenant. Merci. À bientôt. Merci pour son visite. Au revoir.